Hey, bonjour à tous, c'est les petits dragons et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur Overrog. Eh ben j'espère que vous allez bien. Donc du coup on va se retrouver sur cette démo qui est sortie sur le PS Store il n'y a pas si longtemps. C'est un JRPG roguelite avec des cartes, avec des decks de cartes. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc c'est un jeu qui est développé par Xcreate. Alors je connais pas du tout ces développeurs. Et édité par Kemco. C'est sorti le 6 juillet 2022, il n'y a pas si longtemps. C'est sorti sur la Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, voilà, c'est sorti un peu partout, hein. Bah ouais, toutes les consoles. Alors le problème, je sais pas si le jeu est en français, mais là la démo elle est en anglais. Il n'y a pas de traduction française. Bon, on va se démerder comme on peut avec notre anglais. Donc ouais, c'est un roguelike RPG avec des cartes. Vous savez que moi j'aime bien les jeux de cartes en général, donc j'ai vu cette démo, ça m'a donné envie. On va aller voir, on va découvrir ça ensemble justement. C'est un peu le but. Donc bah voilà, c'est parti. C'est en anglais, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de blabla que je comprends pas trop. Sinon on va être dans la merde. Underworld, dans le monde, la région de magie. Oulala, ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave, on comprend pas, de toute façon. C'est le système de jeu que j'ai vraiment envie de découvrir. Ah, ça fait très vieille map Final Fantasy. Hein. Quand j'ai vu les images, ouais, ça m'a fait penser au vieux FF. Pas pour me déplaire, en tout cas. Un cadeau. Ouais, d'accord. Ok, il y a des démons. On peut passer? Non, on peut passer. Ah, c'est un jeu que j'ai jamais entendu parler en tout cas. Ah oui, voilà, ça prend vraiment typique, vraiment des jeux anciens. Ok, j'ai peur qu'il y aura beaucoup de blabla. Angry Doll. Je crois que ça veut dire poupée. Angry, c'est poupée énervée, un truc comme ça. Small petit vampire, je sais pas quoi. Ah bah j'ai un anglais, bon voilà, qui laisse à désirer. Labyrinthe, machin, ok. Ah oui, ça fait vraiment penser au tout premier Final Fantasy, quoi. Moi j'ai envie de voir le truc des cartes, hein. C'est ça qui va être vraiment intéressant avec ce jeu. De voir comment ça se passe. Black High and Familiar, d'accord. Cheveux noirs familiers, ouais. Ils ont des noms bizarres, non? Sahel. Bon, vous savez quoi, on va passer les dialogues. Donc, on a qu'une heure, on va quand même découvrir le jeu, ça pourrait être vraiment intéressant. Brutal Wolf. Ok, bon. Oh, il y a combat. Ça va chier. Attends, on est qui, lui? D'ailleurs, oh, elle a pris une tarniole. Celle, il est pas bien. Shock. Est-ce que si on peut jouer ou pas? Je veux jouer, s'il vous plaît. Ok, labyrinthe qui commence dans la cave. Je sais pas du tout qui en est. Hein. Ah, putain, ça m'insupporte. Les jeux qui parlent trop comme ça. Aïe aïe aïe. Je sais pas. Tutoriel. Ah oui, tutoriel. Oui. On connaît pas le jeu, donc oui, tutoriel s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi il demande. Hein. C'est une démo, donc forcément le jeu tu connais pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment. Oui, putain, je crois qu'on va rien comprendre, ça va être magique, ça va être magnifique. Il y avait un autre jeu qu'on avait fait aussi, qu'on avait compris. Il y en a même plusieurs, je crois, qu'on avait fait. Hein. En anglais, que... Bon. En général, en plus, c'est toujours des RPG. Hein. Comme par hasard. Ah, attends, oula, oui, ça a l'air compliqué, c'est quoi ça? Battle, ouais. Ok, il y a une route en haut, là. Ah, faut faire le tracé de la route, comme ça. 30...
prend, ça parle trop. Oh, la vache, vous allez pas toutes les 5 minutes ou quoi? Mon portable qui se met à sonner, évidemment, quand il faut pas. Hein. Toujours plus. Ah, attends, oh putain. Ouais, non, ça va être le bordel. Pour utiliser les cartes. Bon, on va essayer de comprendre. Ok, d'accord. Ok, donc slash, ok. 8, donc 8 de dégâts, j'ai vu. Ok, donc voilà, jusqu'à là, ça va. On utilise de la magie, d'accord, 3 magies, il nous reste. Double speed. Ok. 3 x 2, ça fait 6, donc c'est de la merde, faut que j'utilise ça. Ok, donc là, j'ai fini mes tours. Fin du tour, triangle, d'accord. Ah, ça fait penser à le jeu de cartes qu'on avait fait, là. Slash the Spire, un truc comme ça. Ça fait penser à ça, là, vraiment. Power up. Il reste 30 PV. On se met un power up, allez. Ah oui, ça fait vraiment penser à ça, oui. Au jeu de cartes qu'on avait fait en live, en plus. Ok. Victory. Bon, la musique est un peu triste tout net quand même. Hein. Ça manque d'ambiance. J'ai pas compris. Si c'est une carte à mettre dans votre deck, d'accord, ok. 13, bah on pense à moi, 13. Hein. Ok, ouais, d'accord, ouais, ok. Ça parle énormément. Trésor. Alors, tous les alliés, rapidité plus 1, j'imagine. Attaque, puissance des cartes plus 1. Tous les alliés, HP plus 3. Enfin, attaque. Attaque plus 1. Oh là là, ça parle trop. Oh mon dieu. Ça s'arrête jamais. Hein. Event. C'est quoi ROP? ROP, je sais plus ce que ça veut dire. Bon, je prends le rouge. 80 gold, on a gagné. Ok. Oh, ah, mais arrêtez de parler là. Oh là. Faut choisir une carte. Acheter. Ah, on peut enlever une carte aussi. Ouais, ça fait penser à Slice the Spire. Hein. C'était ça, Slice the Spire. Ah, c'est le même système, j'ai l'impression, en tout cas. Ah non, il m'oblige, faut, je suis obligé d'acheter une carte. Hein. Ok. Upgrader, d'accord, un peu remonter nos cartes. Okay. C'est vraiment le même système, d'accord, ouais. C'est vraiment le même système. Donc là, je peux me lancer une carte, ok. Bon, oui, il n'y a pas besoin de parler anglais, hein. On comprend. 8, elle passe à combien? 10? Ouais, bon, ok. C'est pas énorme. Ok. Ok, là, c'est pour monter les HP. Ok, le... Ok. 30%. Voilà, on peut prendre de l'XP. Ah, d'accord, on a le choix. Bon, on n'a pas beaucoup de PV. On va plutôt prendre l'XP. Voilà. Et en plus on level up. Ça fait quoi level up? Ah boss! Le boss! On est tout seul hein. C'est ça le boss. Pourquoi il y en a deux? Il ressemble à rien quand même. Je pense pas que ce soit le boss en vrai. On se bat contre quoi là? Comment ça s'appelle? Merde. On se bat contre un gingembre et je sais pas quoi. On peut jouer là?
Ah si, il y a beaucoup de PV. Là. Oh, c'est ça qui est celui qui en a le moins. Okay. Par contre, j'ai des soins ou... Attaquer, on est presque mort. Hein. Putain. Ah mais il fallait utiliser mon machin. Ah merde. Mon bracelet, il faut que je l'utilise. Ah non. Ah non. Ah non, je peux pas le prendre. Il n'y a pas de soin. Pas qu'on va mourir, mais presque. Je rejoue. Pourquoi je rejoue? On l'a mis cher, hein. Oh là là, il a pris un coup critique, je crois. C'est chaud, on a eu. On a failli mourir, hein. C'est exprès. Labyrinthe clair. Ok, Pierre appelle ça elle. Est-ce qu'on peut se baser sur la map après? Putain, ça parle beaucoup. On est bien dans un JRPG. Il n'y a pas de souci. Encore, ça sera en français encore. Qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain, on a arrêté de parler. Ok, l'hôtel l'a démonté, on sait pas pourquoi. Oh, yo, 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 yo. Bon. Oh, c'est clairement pas un jeu pour moi. Ah ok, donc il y a une sorte de map. Bon, c'est un style graphique, mais c'est vraiment pas très beau quand même. On se croit retourner sur la Game Boy Color. Ah, je joue plus vite. Ouais. Ok, voilà, on a compris le combat. Putain, je m'endors, je suis fatigué. Donc le combat, ça va ressembler beaucoup à Slay the Spire, hein, le jeu qu'on avait fait, le jeu de cartes. Mais je trouve, bah ça, je sais pas, ouais. Bon après voilà, on a pas eu grand chose, mais ça a l'air beaucoup moins intéressant quand même. Après voilà, ils ont mis ça dans le monde de RPG, à la Final Fantasy un peu. Donc bon. Bah voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, voilà. Est-ce que ce jeu vous intéresse? Est-ce que vous l'avez déjà fait, peut-être, parce qu'il est sorti le 6 juillet? Bah voilà, dites-moi. Bon voilà, moi c'est pas ma tasse de thé, hein, voilà. Bon.
en plus en anglais. Bon, je sais pas si le jeu il est en français, il y a peut-être pas. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on l'aura découvert ensemble et puis vous pouvez vous faire un avis dessus. Donc, bah, si vous voulez l'essayer, il est sur le Play Store. Hein. Les autres consoles, je sais pas. En tout cas, c'est chez Sony, et vous pouvez le tester, il n'y a pas de problème. Eh ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous de m'avoir regardé cette petite vidéo hein, de 15 minutes. Hein. Voilà, pas besoin d'en faire 50 000. Hein. Après, voilà, il y aura, vu qu'on pourra acheter des trucs, tout ça, j'imagine. Hein, mais... Voilà. C'est une petite vidéo, je voulais tester, je voulais voir surtout les combats, parce que j'avais vu que c'était avec des cartes, c'est pour ça que ça m'intriguait en fait ce jeu. Donc ok, j'ai bien compris, ça ressemble beaucoup à Slay the Spire. Donc bah voilà. Et bah en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir évidemment. Et bah vous abonner aussi à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Hein. On est bientôt à 500 vidéos les gars, d'ailleurs. Alors, peut-être qu'on fera aussi un live spécial pour la 500ème, on verra, ça pourrait être sympa. Merci à tous et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.